Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode, enfin dans cette deuxième partie de la dernière mission de la campagne de Dungeons 2. Et notre objectif actuel est de prendre d'assaut, eh ben, Port Irréal, c'est-à-dire la dernière ville qui est gardée, hein, qui est bien gardée même d'ailleurs. Je vois que nous avons 4 belles sauvageonnes, ouais, ça c'est clairement des sauvageonnes. Bon, elles sont résistantes et elles font pas mal de dégâts, ça va être assez tendu. Mais moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est pas tellement les nains, c'est pas tellement les arbalétriers, c'est plus ces conneries là, ces espèces de dames vertes chelou là. Elles soignent, je crois, et elles font beaucoup beaucoup de dégâts magiques. Bon, en tout cas, ça devrait pas trop poser de problème. En tout cas, si je dis pas de conneries, le château principal est dans cette zone là, parce qu'il était affiché sur la carte il y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc nous avons 32 populations, je vais voir si je peux... Non, je peux pas aller plus loin. Par contre, je vois que je peux améliorer mon donjon d'un niveau. Donc du coup, ah bah ok, j'ai plus de mana. Et en parlant de mana, j'ai oublié de capturer... Enfin de capturer, si je puis dire. De prendre cette salle où il y a les élémentaires de glace. J'avais oublié d'exterminer durant le dernier épisode. Bon, on va prendre que des... Ouais. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu aveugles quand même. C'est tout. Je sais pas. Mais vous voyez, c'est bizarre. C'est un peu bugué. J'ai essayé de mon côté tout seul et... Mais les mecs, pourquoi vous cassez? Je sais pas, ils paniquent, ils... Je comprends pas. Ah ben voilà. Et je vois que une vague a été lancée. Donc il y a un château à détruire ici. Ils vont passer par, ils vont passer par là. Bon, rien de très méchant. De toute façon, ils vont se heurter à des coffres explosifs. Ça, c'est vraiment étrange là. Je. Bon, je vais le faire au raccourci. Voilà. Allez. Oh bah une potion. C'est parfait. Bon, bah cool. Ok, on va pouvoir faire une salle. Et les nagas vont pouvoir. Bosser. C'est parfait. Je voulais embaucher des... Oh putain, j'ai 13 000 de gold. Oh là là, faut que je les pense. On va embaucher des trolls, les gars, parce que j'ai pas assez de trolls. On m'avait reproché, enfin je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait reproché de faire que des unités de base. C'était pas un français d'ailleurs. Mais oui, il avait potentiellement raison, même si ça m'a pas empêché de gagner, hein, comme je dis à chaque fois. Tant que c'est pas... essentiel, enfin obligatoire la victoire, je veux dire, c'est pas... Alors, voyons voir. Donc toi, déjà, tu décèdes. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ça la one-shot, concrètement. Ah, voilà, ça la one-shot aussi. Alors, lui, ça va te... D'accord. Ok. Attendez, je vais la mocher un peu. Ok, bah c'est parfait. Ah, bah là aussi, j'en ai une, je suis con. Sauf que j'ai pas assez de naga, donc au pire c'est pas très grave. Les 200 de mana, s'il vous plaît, ça bosse là ou... Allez boss. Allez boss, arrête de me regarder là. Voilà. Augmentez votre niveau de production. On va plutôt le faire de l'autre côté. Parce que là il y a plus de... Il y a plus de niveau de production. Puis on va embaucher plus de trolls. On va faire peut-être une deuxième forge ici. De toute façon, je peux me le permettre, hein, vu les golds que j'ai. Laisse tomber, quoi. D'ailleurs, en parlant de forge, qu'est-ce que je peux améliorer? Mieux... Ah, putain, faut que je fasse une salle de garde. De paix. Je l'ai pas cherché. La salle de garde. Non. L'arène, pardon. Excusez-moi, l'arène, je me suis gouré. Les somatiques que j'aurais amélioré en fonctionnant plus rapidement. Ça, Sanctuaire à mana, ça peut être bien. Défibri carpette. Donc, toi, tu vas me chercher ça. Et toi, tu vas me dercher. Tu vas me chercher ça, d'accord. Alors vous avez du taf maintenant. Allez, maintenant on arrête de faire les autruches. On bosse. Voilà. Ceci étant fait, je peux en plus de ça améliorer. Et ben voilà, je peux améliorer encore. Merde, les larbins. Ah non, c'est bon, j'avais pas mis d'amélioration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer les trolls d'abord. Vos trolls guérissent progressivement tous les dégâts qu'ils subissent cette pratique sur un doigt. Si on se coupe un doigt par mégarde, oui. Troll costaud, alors tu vas me faire ça. Et ensuite tu me feras troll costaud. Vous m'avez dit dans les commentaires aussi qu'il valait mieux privilégier les trolls, pardon.
quand il s'agit de donner des bonus de production. Moi je les ai donnés aux orques. J'ai pas vraiment fait gaffe, hein. Franchement je vous le dis clairement, j'y ai pas pensé. Hein. Mais c'est vrai, c'est pas con. Allez, on recrute des trolls. Je peux vous dire qu'avec des trolls, il faudrait peut-être au moins deux autres nagas. Voilà. Au moins deux autres nagas pour rentabiliser. Là ça bosse. Ça bosse dur. On va essayer de se faire 2-3 rennes. Deux rennes. Peut-être un. Non, un chef orc. Et je peux encore, voilà, augmenter la population. De toute façon on va faire ça, hein. Ah, et par contre je vois que au niveau de... Ok, d'accord, ils ont envoyé encore une... va pas falloir que je tarde trop, mais bon, en même temps j'ai pas assez de... J'ai clairement pas assez de population, là. Je vais pouvoir, en plus de ça, améliorer la production. Ah non, non, ça c'est pas améliorer la production, malheureusement. Ça c'est mieux par contre pour la bière. Pour la bière j'ai pas trop de problèmes, enfin pour l'alcool. Ouais c'est pareil. Ah oh, j'aimerais bien utiliser une pierre qui roule, une grosse pierre qui roule. Ça c'est énorme. Mais faut la trouver. J'ai pas assez de boîte à outils. Hop là. Alors on va faire une salle, une arène de combat. Comme j'avais... Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ne reçoit aucun salaire l'économe. Bon, on va le donner à un troll. Ah non, attendez, attendez. Ça a combien de salaire un troll? Ah mais je suis obligé de les prendre pour savoir, ça m'énerve. Il est où le troll? Jean-Robert. Ah, tu es là. Voyons voir, tu as combien de salaire? 80? Ok. Toi, tu as combien de salaire? 70? Et toi, tu as combien de salaire? 50, ok, bah je vais le filer un troll. Merde. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Hop là, voilà. Donc nous avons Shaitsu Mijo. Bon, je sais pas pourquoi ils ont un nom japonais. Qui est donc l'économe. Je vais faire cri de guerre ici. Et là, il me faudrait un cuir tanné pour avoir des orques hyper puissants. Ah, ok, ils sont tous décédés. Bah, c'est magnifique. Je vais également embaucher encore des nagas. Oh, j'ai tellement de trucs à rechercher. J'ai pas assez de boîte à outils. Écoutez, on va faire une salle. Attendez, c'est moi ou il y a un mec qui... Ah, mais il a survécu! Vas-y, tatane-le! Ouais, j'ai la flemme de... J'ai la flemme de le faire à la touche, là. J'avoue. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de le miner, faut pas que je fasse la connerie. Donc là ça mine toujours aussi bien, hein. Oh putain, il faut miner tout ça les mecs. Sinon comment Parce que là vous avez vu les golds qu'il y a. Merde. Hop là. Tout ce qu'il y a à prendre. C'est un cadeau des dieux. N'empêche, je suis riche hein, dans cette partie, j'avoue. Mais c'est cool parce que je peux faire toutes les améliorations. Allez, vas-y, bosse plus vite, Hugo agit. Je pourrais agrandir la forge éventuellement. Parce que là, j'ai 3 orques. Non, attendez, ça c'est pas. J'ai 3 trolls. Là, j'ai du mal avec les noms. Enfin, les noms, les. Allez, encore un troll. Et hop là, on augmente encore la population. Ah, je vous dis, je vais être équipé, moi. Au niveau des trolls, là, ça va faire du dégât. J'aimerais bien rechercher les pouvoirs aussi, du genre... Rage, ça, c'est énorme. Et représailles malfaisantes que vous êtes réduit à agiter mollement les mains en l'air, désespéré devant les païens que vous avez... Tant de faire... Ah ouais, mais ça, je m'en fous, ça. J'ai envie de faire rage aveuglante. On peut pas. Rage aveugle, pardon. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas le bon niveau. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas découvert les autres. Jour de paix. Ah non, c'est celui-là, pardon. Lavage de cerveau. Mais lui, c'est quoi alors?
Ah non, d'accord, ça, ça... Non, non, c'est bien, en fait. C'est très bien. Marquer un adversaire, on peut le chercher, ça. De toute façon, vous avez rien d'autre à foutre, les gars, alors... Enfin, les meufs. Hop là, on va commander au moins un autre orc. Vite, j'aime bien que ce soit... Ok, bon, il va falloir encore améliorer ça. Et on va pas tarder à aller au combat. J'aimerais juste avoir quelques... Pourquoi ils sont à deux sur la même forge, les types? Les gars, voilà. Hein. Toi, tu vas me faire ça. Voilà. Toi, tu bosses plus vite. Toi aussi, tu bosses plus vite. On va agrandir cette salle. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ok. Et merde, j'ai pas la place. Donc elle est notre, malheureusement. Voilà, et donc ici... Ah non, ça sert à rien de toute façon, je peux en mettre que 3. Ah, mon arène de combat, j'ai oublié de la construire. Ah bah tiens, c'est parfait. Parce que ça, tu vas détruire. Bon, j'ai encore un peu d'or dedans, mais c'est pas grave. C'est où arène de combat? Arène de combat. Ah, faut que je fasse gaffe aux investissements là. On va mettre voilà, 1, 2, 3 trucs. Allez, venez vous entraîner les mecs. Oh non, merde. L'alcool. L'alcool, l'alcool, l'alcool. J'avais dit que... Ouais. Tac, tu vas améliorer ça. Et toi, j'ai pas assez de boîte à outils évidemment. Toi, tu vas bosser plus vite. Oui, donc il va falloir forcément que j'aille. Il faut une reine naga. Sadus a tué Grumly. Ah, là, j'ai pas vu ça. Toi, tu vas devenir une reine naga. Ah, mais merde, j'ai pas assez de points de. Ah, fuck. Bon, laisse tomber au final, va bosser. Lad Gaga, oulala, il manque le Y. Ça aurait fait autre chose. On va faire plus de flèches tant qu'on y est. Et puis on y va, hein. Attendez, je regarde ici s'ils ont terminé. Voilà. Donc toi tu bosses. On va pourquoi pas améliorer Colosse, le molosse de guerre, j'ai jamais fait encore. On va améliorer la vie des orques. J'ai tellement envie de faire ça. On va faire molosse, on l'a jamais fait. Donc ça bosse bien, là je me prépare tranquillou hein. Mais le problème c'est que j'ai plus assez de pop pour faire un... Bah écoutez, on va se débarrasser d'un orc hein. Ouais, c'est peut-être pas utile pour avoir une reine naga, à la limite, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai quand même envie. Ne serait-ce que pour avoir une reine naga. Ouais, l'Adgaga, voilà, l'Adgaga. Ah non, merde, j'ai pas assez de points de pop. Fuck, ça prend combien? Ouais, merde, bon bah, je suis parti pour réembaucher l'autre. Ça, c'est cool, ça. Donc, on va augmenter la vie des trolls. On va augmenter la vie des nagas parce que elles sont pas du tout résistantes. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Oh là là, putain, elle a du temps elle. Hein. Et ici on peut toujours pas... C'est bizarre, pourquoi je peux pas les débloquer? Requiert une recherche rage aveugle. Oui. Requiert une recherche rage aveugle, sans blague. Le problème c'est que... Bon par contre au niveau de la binouze, là ça commence à être tendu. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Non!
Là, c'est chaud. Ça c'est chiant. Donc, est-ce que j'ai acheté de boîte? Oui, toi tu vas me faire ça. Ah, mon hôpital! Mon hôpital là, attendez, il faut que j'achète des trucs pour ressusciter là. Du coup, au moins un, voire deux, donc ça on va l'agrandir. On va faire une méga salle. Allez, faut que ça bosse. Donc là ça s'entraîne tranquillou, au calme. Est-ce que boîte à outils jour suffisant de paix. Ah putain. Allez, j'ai besoin de plus de boîtes à outils, les mecs, s'il vous plaît. Bon, allez, tant pis, hein. Je pense qu'on est bon là. Et eux là. Ouais, bon, allez. On est parti les mecs. Ça tombe bien parce qu'ils vont tous se payer. Ils vont pas pouvoir les... Désolé. Je vous retire votre paye ce mois-ci. Vous n'avez pas été très très sage. Vous en conviendrez. Bon, je pense qu'on est bien là. On a tout le monde. Ouais ouais. Attendez, je regarde hein, pour être sûr. Ok, bah je pense qu'on peut y aller. On a du mana, on a tout ce qu'il faut, on a des améliorations. Non, franchement, là, c'est au poil, hein, comme tu dirais. Allez, on est parti. Donc, première mission, c'est attirer ces chères demoiselles à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, elles sont déjà à l'extérieur, mais un petit peu plus... un petit peu plus loin, vous voyez, des portes. Alors, comment ça s'active le... Me dis pas qu'ils ont pas fini de chercher les molosses de guerre. Ah mais merde, les molosses de guerre c'est quand t'as un chef orc. C'est sûr. Allez, on active. Oulala, oulala. Ah bah merde. Là, nous avons déjà un mort. Par contre ici tu vas en profiter pour améliorer ces villes là. Voilà, la résurrection. Eh ben voilà, c'est parti. La Horde prit d'assaut la capitale de l'Alliance. Nickel. Deux somptueuses demeures d'un blanc éclatant bordaient les glorieuses allées. Pouvait-elle seulement défier le mal ignoble? Probablement. Ah yes, je suis encore chez moi ici. Faut augmenter les dégâts. Butez-moi, c'est elle qu'il faut buter. Yeah. J'ai le rythme dans la peau. Ah non non non, les dingas, on recule. Oh, putain, recule. Oh merde, ils sont derrière aussi. Oh, c'est la méga baston là. S'il vous plaît, un peu de tenue. Merde, je pensais pas que tout le monde allait se rajouter à la fête. Tout le monde est en train de crever. On va rameuter tout le quartier, hein. Voilà, on rentre. Bon, ça fait du meurtre quand même, hein. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, comme vous avez pu le remarquer, pas c'est la violence. La moindre maison n'avait encore été détruite. Le mal prévenant comptait-il y faire emménager ses créatures? Peu probable. Il était en revanche beaucoup plus probable qu'il élabore un plan afin de détruire cette ville de la manière la plus efficace possible. Ah bah là t'inquiète pas, hein, je suis bien avancé, hein, c'est juste que bon... Sans faire exprès, j'ai voulu faire reculer mes nagas, du coup elles ont attiré les autres mecs et du coup c'est parti en gangbang général. Bref, pardon, excusez-moi du terme, mais c'était un peu ça. Eh ben putain, deux. Toi tu viens. Mais mec, je suis dans mon territoire là. Voilà. Alors, 6, 7, 8, ok, c'est un orc qui nous a quitté. C'était pas une grande perte, hein. 0 maison détruite sur 17. Oh putain, faut détruire les maisons. Oh, je suis deg. Bah, c'est pas grave, hein. On va faire ça au prochain. Enfin, au prochain round, si j'ose dire. Là, c'était juste pour les affaiblir un petit peu. On va rajouter des lits pour ceux qui ont envie de se soigner, éventuellement. Putain, j'ai beaucoup investi dedans, hein. C'est pour ça qu'on va bien améliorer la résurrection là. Allez toi, découvre-moi ça.
On va l'améliorer même niveau 2. Ah, j'ai pas assez de boîte à outils. J'ai assez de boîte à outils. Merde, c'est pas lui. Découvre-moi ça, donc vous, ça va, vous m'aimez. Hein. Ok, on est bien. Je suppose que là tout le monde s'est à peu près soigné. Ouais, tout le monde a l'air bien là. Oh bah c'est parfait les gars. Bah attendez, on est reparti hein. On est reparti. Let's go. J'ai largement assez de mana, on est reparti. Deuxième assaut. Bon toi t'es pas allé te soigner, t'es allé t'entraîner, espèce de vieux con. Toi tu fais quoi? Donc là nous avons 3 gobelins et là nous avons un orque dissident. D'accord. Bon bah on est parti. Là on va casser de la maison. On va casser tout ce qui se trouve là-bas d'ailleurs. Voilà. Et là je pense que ça va leur faire du bobo. Ça va leur faire bobo. Ok, on est bien. Donc résurrection améliorée. On va voir si je peux pas faire encore plus. Non, niveau 3, ouais, non, c'est bon. Est-ce que je peux rechercher? Mais ça, putain, j'ai jamais de boîte à outils, quoi. On va attendre un peu. Allez, on attend. Et donc, on va se venger sur ces faits à la con. On va péter cette tour. Ah, bah, il y a eux aussi qui se sont ramenés, les. Ah, les vieux salauds. Go! Défoncez-moi ça! Oh la vache! Oh le vieux sort de merde! Robert qui nous aura quitté un petit peu tôt. Voilà! Vous voyez que ça passe tout seul une fois que t'as gangbang. Bon, évidemment, il s'attaque à Nonaga par derrière. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Vite, 4, on augmente les dégâts. On va en profiter pour. Allez! Cible non valide, ouais, c'est chiant. Bon, mine de rien, ça va. Franchement, je les ai bien défoncés là. J'ai fait le ménage, comme on dit. Ok, bon. On va péter de la maison. On en a 17 à détruire. Vous allez revenir là. Hop là. Et voilà. Une maison vient d'être réduite en cendres. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Je m'égare. Les créatures du mal destructeur semaient le chaos à travers la ville, détruisant tout sur leur passage. Voilà un saccage qui restera jamais gravé dans les livres d'histoire du mal. Ah oui, ça je confirme. Détruisez Guludrul. Ah merde, c'est qui? Deux citations à la fois. Oh, oh putain. Oh, je suis inarrêtable. On va se faire défoncer là. Enfin bref. Gudrudugul, la magicienne des éléments, apparut dans la ville afin alors, de la protéger. Alors, défoncez-la, et elle... de repousser le mal abominable. Il était évident qu'elle ne comprenait pas que le mal ingénieux était le principal protagoniste de cette histoire. Essayez de la défoncer. Et qu'elle n'avait qu'un rôle secondaire. Sa mort nous comblerait tous de joie. Allez, on essaye. On essaye. Vous ne m'avez toujours pas vaincu. Ah, les salauds. Je reviendrai. Je vous en fais la promesse. Elle est morte? Elle est partie où? Ah ben non, je l'ai butée. Ah, je l'ai défoncé. Ok, bon, par contre, ça bouchonne au niveau des résurrections, là. Voilà. Donc... Ah, je peux pas les prendre, merde. Bon, heureusement, c'est bientôt fini, parce que là, on a des... C'est un troll, ça, on est d'accord? Ok, le mec est déjà enterré. Ah, mais il y en avait là aussi. Ah, les salauds. Les salauds et salauds. Bon, bah c'est cool là, tout le monde est. C'est parfait là. On va attendre que tout le monde se soigne de nouveau et puis on est reparti. Hein. Ah, là ils ont fini de miner. Faudrait peut-être que je mine pour trouver d'autres spots. Ouais, parce que là, niveau or, ça commence à être tendu là.
Enfin, je dis ça à chaque fois, je trouve des spots de fou. On va relier par là, on va voir ce qu'il y a. On va quadriller la zone. Niveau or, c'est un peu tendu ici. Ouais, au bout d'un moment, c'est... Ah! Ah non, merde, c'est du mana, je m'en fous. Ah non, je l'ai pas tué, Guludrul de mes deux, là. Je l'ai pas tué. Cette épreuve, je l'ai réussi. Je vous anéantirai. J'ai failli la tuer. J'ai failli la tuer. Bon, les mecs, du coup, ils vont se faire une petite... tranquillou au bar. Donc ça, tu vas m'améliorer. Et vous, vous allez bosser sur... ouais, sur... pourquoi pas ça. Allez. Est-ce que j'ai gagné des points de malfaisance? Non, toujours pas, il faut que je pète des châteaux pour ça. Bon, je vois que tout le monde est au poil là. Donc on est reparti les mecs, hein. Eh ouais ouais ouais. Pas le temps de chômer. Allez meuf, on rapplique, tout le monde est nickel là. Oui. Alors, vous êtes deux ici. Vous êtes un gobelin, On peut y aller. Ah putain, évidemment. Ils vont se croiser ces idiots. Salut. Évidemment. Bon. Bon, on en aura perdu un au passage, bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pour ça qu'il va changer grand chose. On est reparti, on va se faire eux d'abord. Dans les entrailles de la terre. S'il te plaît, hein, tu vas te calmer. Parce que bon, c'est quoi, retourner moisir dans les entrailles de la terre, s'il te plaît, je ne te permets pas, voilà. On va, objectif c'est d'aller détruire ce château aussi. Faut que je récupère un maximum de territoire de toute façon pour pouvoir utiliser mes sorts, j'en ai besoin. Alors je me prépare sur les touches du pla... enfin du pavé numérique. Ah bah oh les mecs là, allez. Allez défoncer Gulugu. Jour de paix. Ouais, vous pouvez défoncer ses acolytes, ça marche aussi. Maintenant, tous sur Gulugu. Ouais, bah voilà, là vous ne m'avez toujours pas vaincu. Je reviendrai. Je vous en fais la promesse. Ah là, je t'ai défoncé, ma pauvre amie. Enfin bon, je veux bien que tu reviennes, mais à un moment, faut arrêter. Oh, les flèches, ça fait zéro dégâts, mon dieu. Enfin, si ça fait des dégâts, mais on voit pas assez. Donc, on va péter ça. Voilà, pétons les maisons. Et on va se concentrer d'abord sur un des châteaux. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui de droite. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai choisi celui de droite. Mais ceci est fait. Défoncez-moi ça. Ah ouais, le sort, ça fait des dégâts. Démontez-moi. Voilà. Démontez-moi ça. Oh là 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 là, ça fait du dégât. On voit pas trop ce qui se passe, mais c'est cool. Encore? Oh mais démontez là, sérieux, elle sert à rien. Ah là, du coup j'ai l'humeur. Ah ouais, forcément. Forcément. Vous ne m'avez toujours pas vaincu. Immunisé, je reviendrai. Mais elle fait je chier. Vous en fais la promesse. Elle fait chier, elle est là pour nous casser les roubignoles. Allez, on pète ça. On pète ça aussi, puis on va le faire en 15 rounds, hein. S'il faut, de toute façon. Voilà, on va juste augmenter leurs dégâts. Et let's go to the party. On va voir les dégâts que ça fait. Mais mec, je suis dans mon territoire, là. Oh, regarde, c'est tout noir. Sauvegarde. Sauvegarde, évidemment.
Je suis dans mon territoire là, je suis désolé, c'est tout. Ouais, bon, ok. C'est les limites du territoire, quoi. Bon, on va détruire ce truc là. Elles font du dégât, les nagas, ça fait plaisir. Voilà. Ça, on détruit. Ça, on détruit. On va détruire les trois maisons. Et ensuite, on va se faire l'autre château. Avant ça, on va faire un petit tour du côté de la maison. Pour soigner un petit peu tout ça. Elle est revenue, cette conne. Guludrul, là. Ok, donc vous, vous allez revenir à la maison. Parce que vous, ça fait peu soin de vous soigner, très cher. Ok, j'ai mon truc. Oh putain, c'est énorme. Est-ce qu'il y a moyen... On va agrandir de ce côté-là. Oh bah c'est cool, tout le monde est soigné. Ouais, quasiment tout le monde. Hein. Est-ce que j'ai gagné des points de malfaisance? Oui. Donc il faut bien que je pète les deux châteaux, c'est cool, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il faut que je sois au niveau 3 pour avoir les pouvoirs. J'en avais peut-être pas besoin. Est-ce que je peux améliorer encore... ouais, vitesse d'ondulation, éventuellement. Oh putain, ouais, super, tu les fais vite les recherches toi, mon gars. Les trolls, est-ce qu'il y a moyen les ennemis de... se sont introduits dans le donjon. Troll robuste. Ouh. Brûlé dans les flammes de mes coffres. Attendez, j'en rajoute une couche. Ouh. Et voilà. Merde. Toi, tu vas décéder parce qu'il y en a marre. Ok, c'est bon, tu es mort. Oui, alors niveau or, c'est tendu quand même. Hein, encore. Bon, je dis ça, j'ai 10 000, mais bref. C'est quand même short. On va augmenter la vie des orques également. Comme ça, on va avoir des orques complètement badass. Les trolls tranchés. Franchement, je l'utilise pas. Les naga, ouais, c'est bon, elles ont tout. Bah, j'ai tout amélioré là. Hein. Oh là 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 là. Je suis trop. Tout est amélioré, ça ne veut rien dire. Ok, bon, je considère que tout le monde est soigné. Tout le monde est ok pour aller se fighter. Hein. Il y en a qui s'entraînent en plus. Bon, j'ai fait mon arène de combat pour rien au final parce que. Pour l'instant, hein, bien sûr, mais bon, je pense pas en avoir besoin d'ici la fin de la partie. Je pense qu'on va les terminer, sauf si Guludrul me casse encore les bonbons. Allez. Hop là. Attendez, je reviens juste ici. Parfait. Tac, 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 contre de la besogne. Hop là, ça tu détruis. Et hop là. Et là on a un vrai truc de pro. De professionnel s'il en est. On va augmenter ça parce que du coup j'aimerais bien pouvoir stocker plus de boîtes à outils. Ah, puis on va faire des forges torrides. Tant qu'on y est. Et puis on va... Je peux stocker combien là? Ah, énorme! Ils font courir ce truc. J'avais jamais capté. Jour voilà. De paix. Évidemment, c'est le jour de paye. Enfin, le jour de paix. Et puis, on va augmenter le. Voilà. Ok, bah, ils ont du taf. Non, on peut s'occuper de nos moutons. Et on va se faire l'autre château. L'autre château. Et les autres maisons. Tant qu'on y est, hein, parce que bon. Y'a pas de raison. Détruisez Guludrul. Guludrul, je lui... Quand même, je lui déglingue sa maman depuis... un certain temps, on va dire. Mais elle a l'air de s'en foutre. Allez, j'augmente les dégâts et... Détruisez-moi cette conne, là. Cette conne. C'est elle qu'il faut buter, là. Yes. Eh non, il y en a quand même une qui est décédée quoi, putain. Aucun honneur. Bon, alors on a déjà un groupe de... Oh, on a pas mal de maisons là. 5 maisons.
Oh là là, mais elle me saoule, elle. Relou. Oh là là, putain, elle fait chier. En plus, elle fait des méchants dégâts de zone. Ah là là. Vous ne m'avez toujours pas vaincu. Casse-toi. Je reviendrai. Je vous en fais la promesse. C'est ça, je m'en fous. Eh oh, Micheline. Oh putain, c'est quoi ce... ce meurtre gratuit, les mecs. Ah, merde. Elles font des dégâts, elles. Hein. J'ai pas utilisé le... Oh là là, mais elles sortent d'où Putain, c'est chiant de devoir faire 15 milliards de rounds, là. Ah, là, je suis pas dans le territoire, évidemment. On défonce les fées. Bon. Évidemment, j'ai plus qu'un orc. Ah, c'était une tourelle à canon, ça, forcément. Ça fait des dégâts. Ah oui, ça fait des dégâts de zone. Oh yeah. Bon, je vais quand même faire le taf avec ça. Voilà. Pétons toutes ces maisons histoire de... Oh non! Dégage! Vite, pétons ça avant qu'elle elle nous fasse chier. Attends, t'es sérieux? C'est bon. Ah oh, putain. Attendez, on va péter les maisons. On va en profiter pour péter les maisons. Péter les maisons. Comme ça, je vais posséder le territoire. Allez, péter les maisons. La dernière maison surplombant la partie haute de Port-Irréal avait été détruite. Il était maintenant temps d'éliminer la magicienne des éléments. Ah, ok, j'étais obligé. Bon, en fait, je... Sataniste scénariste. Ah, t'as vu, c'est bref, ça, scénariste. Il était temps d'en finir avec la magicienne. Voilà, en fait, il est temps de réduire à néant vos rêves de grandeur. Ouh là là. Défendez-vous, vermine. Attends, mais elle est pas crédible et en plus de après ça fait 15 fois que je la défends. La magicienne des éléments se prépara pour le combat final. Tout le mal menaçant restait pourtant imperturbable et envoya ses troupes dans la bataille. Voilà, et on va pouvoir encore augmenter parce qu'on est des gros riches. Oh putain, oui, on va pouvoir se faire plaisir là, attendez. Cuirassier, mais le problème c'est que ouais, je vais pas pouvoir le. Ah, quoique, on peut faire un or cuirassier. Ça, c'est bien ça. Voilà. Et j'avais dit quoi? Armageddon, ouais. Ouais, mais il me faut des trolls mastodontes. Des trolls mastodontes. Et le problème c'est que j'aurai jamais assez de... On essaye. Allez, on va essayer de se faire un troll mastodonte. Troll mastodonte, c'est-à-dire que du coup, faut qu'on trouve un... Ouais, Robert, vas-y, toi c'est parfait. Troll mastodonte. On peut faire quoi? Des trolls fondeurs et des trolls mastodontes. Ah ouais, attends, on va voir ce que ça donne ça. Machine de guerre qui inflige des dégâts dévastateurs tout en étant capable dans une moult blessure. Oh, c'est bien ça. Attendez. Mana insuffisant. Mais non, ça c'est dans tes rêves. Évidemment que j'ai assez de mana. On va faire deux trolls mastodontes. Et puis on va en embaucher peut-être d'autres, des trolls, non? Ah, j'avais jamais. J'ai toujours pas fait ça. Voilà. Voilà. Ah, 8. Je vais pouvoir encore le faire une fois. Parce que je suis encore un peu plus un gros riche. On va embaucher. On va faire une reine naga. Et pourquoi pas un chef de guerre? On va faire un chef de guerre, une reine naga et compagnie. Ouais, on va faire ça. Une fois que lui aura fini. La magicienne des éléments continuait de se déplacer dans Port-Irréal et donnait du fil à retordre à la horde. Attends, il est temps de botter les fesses et de mâcher du chewing-gum. Eh, on n'a plus de chewing-gum. Ouais, c'est con. Oh putain, ça met du temps. Oh non, Robert, reviens. Ouais, bon, va boire un coup. Oh, ça va mettre du temps, ça, je sens. Le problème, c'est que... C'est jour de paix. Oh là là. On
va encore augmenter la population. Donc là, normalement, j'ai assez. Alors, on va avoir un orc, un mastodonte, une reine naga, un chef de guerre. Bon, ça va le faire, là. Ça va lourdement le faire. On va les déglinguer. Enfin, on va la déglinguer d'abord. Et ensuite, on va finir cette mission. Pendant... Oh, non, me dis pas qu'il y a plus... Non, c'est bon, ils peuvent plus miner, en fait. J'ai beaucoup trop de... Là, je pourrais virer des minions parce que j'en ai trop, là. Ouh, ils branlent rien, donc... Licenciement. Je suis désolé, mec. On va engager encore un troll. Oh là 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 là. Est-ce que je fais un orc... J'ai jamais lu cette description. Ouais, j'ai tout là. J'ai tout. Ah, les sorts. Oui, cette fois. Ah, ben voilà. Mana insuffisant. Comment ça, mana insuffisant? Mana insuffisant. Je vais en mettre. Moi, j'ai envie d'utiliser Rage aveugle. Bon, c'est vrai que ça. Ça use pas mal. Alors, est-ce que tu... Non ? Non, toujours pas. Allez, gentil, vas-y, boss. Allez, vas-y, boss. Ici, on va remettre un truc comme ça, parce que du coup, on va encore plus à s'entraîner. Allez, vas-y. On y croit, il m'en faut un. Oh, ça va mettre 100 ans. Bon, bah vous allez pouvoir me rechercher ça. Et ensuite, représailles malfaisantes. Oh, ça va être énorme. Ça va être énorme. Ça va être énorme, croyez-moi. Au niveau de l'alcool, j'ai largement réglé le problème. Et ici, bah... Ah bah oui, ça je veux. Ah bah oui, ça je veux aussi, sauf qu'on a une boîte à outils insuffisante, évidemment. Pendant ce temps... Oh là là, ça met de 100 ans. Oh, je pourrais en faire... Je pourrais l'agrandir, à la limite faire une autre salle, mais tellement la flemme. Je vais en prendre qu'un, de toute façon, on va les déglinguer, alors bon... Ah, elles se sont arrêtées juste avant, ces connes, là. Revenez. Alors, va falloir que je me souvienne de tout ça. Bon, peut-être Guludrul, il n'y a pas besoin. Hein. Je vais la démonter d'un coup. Ce serait con de perdre de la vie comme ça. Bon, on va les rassembler. Oh là 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 là. Putain, la pauvre. La pauvre, quoi. Oh, je suis tellement résistant. Regardez-moi ça. Aouh. Oh, waouh, 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 waouh. Ah ouais, non. Guludrul, tu fais mal. Bon, finalement, je vais activer les... Non, pas besoin. Ah, mais... ah bah ouais, elle m'a buté une reine. Ce n'est pas trop tôt. Enfin, énergie de 200%. Après un combat sans merci, la magicienne des éléments tomba au sol. À présent, seul le demi-dieu séparait les forces du mal de son avènement. Je vais peut-être juste la ramener, elle. Vous pensez que c'est terminé? Ça ne fait que commencer. Bah concrètement, c'est qui lui? Encore vous? Ah putain, d'accord. Et si je veux entendre des pseudo-charades de ce genre, j'irai voir un magnétiseur pour me faire soigner avec un pendule. Bref, revenons à nos moutons. On en était donc au moment où vous détruisiez Port Irréal. Tout à fait. Tenez vos positions, fils de Port Irréal, de mes frères. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Oh là là. Un jour peut venir où le courage de l'Alliance faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui,
Nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir homme de l'Alliance. Homme de l'Alliance. Aussi brillant. Hop là, on va enrager l'orque mastodonte. Le chef ses troupes avant le combat final. Ah merde, je voulais faire le molosse. Je sais pas pourquoi ils sont partis tout seuls, hein, les mecs. Hein, je les ai même pas lancés. Ils ont quand même. Que moins de 10% des joueurs auront l'occasion. Les mecs, attaquez là. Créé avec amour et passion par une équipe de développeurs. Ah oui, oui. Les créatures du mal, fulminant de rage, avaient enfin l'occasion d'assouvir leur soif de vengeance. Écoutez-moi ça là. Alors, est-ce que j'ai un truc que... Un petit stun. Ah mais merde, mais en fait il y a un temps de... Oh merde, ils ont buté mon troll. Ah, ils ont buté mon troll. Hein. Bon, bah finalement ça va pas être le dernier assaut. Un petit cri... Un petit molosse de guerre, j'ai jamais fait, voyons voir. Ouais, pas mal le molosse de guerre, pas mal. Allez, maintenant à ton tour. Non. On recule. Ok. Bon. On va attendre ici et on va ramener tout le monde. Ouais, non, puisque non, le monsieur là. Non, casse-toi. Recule. Ah. N'empêche. Ce discours du Seigneur des Anneaux à la fin, c'était magnifique. Je savais qu'ils allaient faire une connerie comme ça. Oh, lui, il va mettre 100 ans à se soigner. Regardez-moi ça. Oh, ce gros, quoi. Mon Dieu. Ouais, ils se sont bien battus. J'ai utilisé la rage. Par contre, j'ai pas pu utiliser ça. Pas assez de mana, malheureusement. J'ai utilisé la rage, j'ai utilisé Moloch, j'ai utilisé Armageddon. Le problème, c'est qu'Armageddon, en fait, il y a un temps de... Donc faut l'activer dès le début, ça j'avais zappé. Mais dans l'idée c'était ça hein. Bon évidemment là vous connaissez le principe, faut buter tous les héros qu'il y a sur le côté avant de buter celui-là. Et faut bien sûr péter. Ouais, faut péter ça. Ok. Vous entraînez. Hop, reste là. Ah non, tu veux faire... Ah, on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. Bah, deviens chef orc, écoute, hein. Ok, lui, il est bientôt prêt. En fait, faut vraiment que les Nagal le soignent. Elles ne soignent que lui, parce qu'en fait, c'est lui qui fait vraiment... tous les dégâts. Ah, va falloir vraiment que je stun tout le monde au milieu, vous allez voir. Tout le monde est nickel. On peut y aller. On est reparti les gars. Ah oui, non mais... Ah oh, merde. Vas-y, reprends le boulot. Je t'ai coupé dans ton entraînement. Donc vous revenez. Ok, c'est un chef orc. Donc j'ai deux chefs orc. Merde. Hop là. Et on est parti. On est reparti. Voilà. Oh merde, ils envoient des gars. Oh shit. Ça c'était pas prévu ça. Ça vous dérangerait de le soigner lui? Non. Ok, mais vous êtes teubé ou bien reculez. Reculez. Oh non, fuck. Allez, on court. Et après, on va se retourner. Vous êtes... Merde, c'est là. Fuck. J'ai pas capté. On va enrager un monsieur. Et on est parti. Go. Oh, le chef. Oh, qui va prendre cher. Non, les gars. C'est ici qu'il faut battre. Elle... Oh, non. Mon but est un troll. Bon, on va se soigner. On va attendre que tout le monde soit bien full life. Notamment le chef de guerre orc. Ah, j'ai perdu un troll, ça m'énerve. Et ben voilà, Janu Mijo. C'est toujours toi qui meurs. Ok. On soigne bien le chef orc.
Je pense que je vais l'enrager direct. Je vais enrager lui. Ok, c'est bien. On va attendre qu'elle régène un peu leur énergie, on peut y aller. Alors, attendez, c'est où la limite de mon territoire? Et là, il va falloir que j'actionne. Donc, je vais faire ça sereinement. Vous allez voir. Ah, attends. Est-ce que j'ai assez de mana? C'est jour de paix. Ok, il est enragé. Je sais pas si. Ok. Vous, cri de guerre. Molos. Voilà. Et toi. Toi, tu vas faire Armageddon. Ah, poussez-vous, les gars. Voilà. Vas-y. Là, c'est parfait. Ouais, ça se stun. Butez-elle, butez-elle, butez-elle. Oh, j'ai défoncé. Butez-moi elle. Et maintenant, c'est du gangbang. Et on actionne le I, bien sûr. Et on enrage. Lui. Ah, il est toujours enragé, merde. C'est qui qu'on va enrager on va enrager ce monsieur-là. Ah, merde, merde, merde. Ah ouais, je savais que ça allait être comme ça. Oh, ils ont buté mon mégalo... Mon mégalo... Non, mais... Ah, arrêtez de... Allez, hop. On va enrager... un mec random, hein. Au milieu... Ah, je peux pas, je suis pas sur mon territoire. Allez, allez, on se les fait. On perd pas de temps. Oh. Arrêtez! Non, c'est butez-le. Butez-le. Toi, tu vas pouvoir invoquer un molos. Arrêtez de le frapper, le pauvre, là. Voilà, parce qu'en plus, vous mourrez. Lumière. Quoi. Allez, on se les fait. Sauvegarde, bah oui, sauvegarde. Tac. Cri de guerre. Molos. Merde, j'ai pas assez de. Voilà, maintenant vous frappez, vous frappez, vous frappez, vous arrêtez pas. Molos. Ah merde, eux ils se joignent à la fête. Oui, défoncez-le. Victoire! Ouais, oui! Vous avez réussi! Oh, et puis zut! J'arrête de vous parler à la troisième personne! Vous avez vraiment réussi! Incroyable! Si ça ne tenait qu'à moi, je vous serrais dans mes bras! Ah ben... Mais bon, je suis juste une voix dans un jeu vidéo! Kratos gisait sur le sol. Le mal absolu avait triomphé et assouvi sa soif de vengeance. Il ne vous restait plus qu'une chose à faire. Regardez la cinématique de fin qu'on a réussi à pondre. Pile dans les temps. Ah ben, j'accepte. Laissant échapper un dernier râle de douleur, Kratos s'effondra. La Horde avait triomphé et le sort de l'Alliance était scellé. Le mal ultime régnait seul sur le monde supérieur et ses habitants subiraient sa dictature. Tout était exactement comme le mal ultime l'avait rêvé. Enfin, pas exactement. Non loin de là se cachait une autre partie de lui-même, le mal chaotique et sa légion ardente de démons. Il n'abandonnerait pas sans combattre. Oh là là, comment c'est pompé. Mais alors... Ok, d'accord. Tu m'expliques à programmer ça. Le truc se coupe avant qu'ils aient terminé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la fluidité de cette cinématique de fin était absolument merdique. Bref, c'est pas grave. En tout cas, nous avons terminé la campagne. Ce fut très intéressant. C'était cool, mais ça fait chier. Pourquoi le... Attendez, on va quitter ça. Pourquoi ça l'a viré, là? On a triomphé. Ça a viré la cinématique de fin, je suis deg. Enfin, bref. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette aventure, cette série. Moi, je me suis bien amusé. Bon, évidemment, j'ai mis un peu de temps avant de... Évidemment, de bien comprendre tous les mécanismes. Bon, il n'y en a pas énormément, certes, mais bon. Et vous savez,
qu'en commentant c'est toujours un peu plus difficile parce que vous pensez pas à tout. En tout cas moi j'ai bien apprécié, c'est un bon jeu. Bon, au final je me rends compte qu'il n'y a pas tant de contenu que ça, au final ça reste assez limité, surtout au prix où il est vendu. Mais c'est quand même une bonne expérience, on s'amuse bien. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, plein de likes, ou tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles séries sur la chaîne. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao!